Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Compagnie of Heroes 3. On se retrouve sur la carte de tactique, pardon, et on fait une petite fin de tour pour voir ce qui va se passer. Alors j'ai lancé la construction d'un bombardier à l'aérodrome de Montecorvino, parce qu'on a maintenant la possibilité de le faire, et j'ai commencé à attaquer Naples d'un autre côté. Là, on me propose une petite bataille de défendre Potenza. Très bien, ok, ils font une contre-attaque apparemment. Et on va voir ça tout de suite. Pour les missions de défense, j'aime ça. Donc pourquoi pas? J'accepte le défi. J'imagine que c'est scripté. Peut-être pas. Peut-être que si. And get me command. We need reinforcements. On a la hauteur, c'est déjà bien. Ok, on a de l'artillerie. Ça met en place des défenses. On a un Alftrak médical, oui, c'est très bien. Ok, c'est qu'on a du monde un peu partout là. Bah, l'obusier, il est prêt, hein. Pas grand chose hein, à part des vols de reconnaissance. On va pas avoir beaucoup de soutien. On va prendre des fusils Bren ici. Et on va les mettre en recul là derrière. Soigner l'unité, ça sert à rien. Ici, on va faire une unité de reconnaissance. On va les mettre dans le bâtiment qui est là. Ça va rien nous donner en fait. Ouais, on peut pas faire grand chose, hein. Mettre en place des défenses. À eux. Et eux, on va aller les apporter, les mettre en soutien en bas. Mais bon, s'ils arrivent par la route principale, par exemple, je suis un peu cuit. Hein. Disons-le clairement. Pas des masses de choses à faire, hein. On va plutôt les faire venir là. Et non, non, eux, faut quand même que je les laisse en haut parce que sinon j'ai plus personne là. Ouais, on n'a pas grand chose là. Hein. Franchement, j'aime bien les missions de défense, mais quand même. J'aime bien quand elles sont bien. Et là, je la sens pas. Parce que mettre en place des défenses, ce que je peux mettre avec eux. J'ai pas l'impression qu'on puisse mettre des mines. Ah si, on peut miner quand même. Canon anti-aérien, des clôtures de barbelés, des murs de sable, des... Ouais. Ouais, si, si, on peut mettre des mines quand même. Bordel, j'aurais peut-être dû faire ça. Ouais, j'ai pas très très bien géré mon coup. Bon, cela dit, c'est pas comme si j'avais des tonnes et des tonnes de munitions. Royal Engineers, yeah? Mines laid. Might want to avoid this spot.
sappers on site. What do you need blowing up? German armor on the way, men. We need to hold out until our anti-tank support gets here. Not had orders. We've got orders to move. So move. Like shit through a goose. Ok. On se fait bien bombarder. C'est vrai que j'ai pas fait de fusil anti-char, j'ai pas de canon. Bon, jusqu'ici ça va. Our first reinforcements have arrived. Good to see you, men. Now get into position. Wouhou, une section d'infanterie. Bon, eux. Ouais, bah ça, oui, j'ai bien compris que j'allais perdre des trucs, hein. We're losing a fuel. Stay focused, men. The Krauts aren't done with us yet. Protect our flanks. Head into the location. I don't want to hear a fucking word. March. Quiet. Capture point is being contested. The Krauts are bringing their armor up the hill. If we can destroy enough of those vehicles, we'll be able to force them back. Go on, last one. Take it, wanker. Enemy reinforcements incoming. Quiet down and listen up. Essayer de mettre des troupes un peu partout. Voilà. Ah mais nous on maintient la pression, y a pas de problème. Hein. Hop, il va se prendre une grenade là-bas, ça va le calmer tout de suite. Bim. Voilà, allez-y, avancez, galérez bien. Voilà, allez, salut. Ok, alors. Une petite idée de comment m'y prendre. Ok. Mais non, mais buguez pas, c'est pas le moment, bordel. Alors oui, hein, j'ai pas encore utilisé mon obusier, mais c'est pas facile de l'utiliser, honnêtement. Après, je peux bombarder totalement aléatoirement vers, vers certains points, mais c'est pas, je trouve pas ça concret, quoi. Alors, je suis déçu que ce soit pas passé, les grenades. Va
Faut leur refaire de l'anti-char là, je sais pas ce qu'il fait lui mais... Mais là c'est chaud quand même. Oh putain ça arrive. Alors, vraiment la gestion des véhicules contre eux c'est un peu tendu quand même. Mettre une grenade fumigène juste devant. J'ai rien, j'ai rien pour les gérer. Hein. Vraiment, je sais pas comment m'y prendre quoi. Pas de munitions, on a... Ah, on a un char léger, je l'avais pas vu. Ça, je l'avais pas vu, je l'avoue. Plus on va se le faire. Hein. Allez, dodo, parfait. Encore une fois. On va juste se planquer un peu. Coucou. Ok, ça c'est pas mal. Partons en repli avec eux, par contre, j'ai pas le choix. Alors, ici, où est-ce qu'on en est? On a ça. On a ça, et on a eux là. Ah mais on a plein de renforts ici. C'est compliqué là. Là c'est un peu tendu, je dois l'avouer. Tac, tout ce genre là, ils viennent ici tout de suite. Parce que c'est tendu par là. Il faut partir maintenant. Il y a que le char qui tient le temps que les unités arrivent. Faut que tu fuis aussi. Ah merde, est-ce que je peux? Ouais. Viens te soigner, viens te soigner. Ok. Encore. C'est un peu galère. Ok, l'obusier soutient, en soutien, c'est bon. Je
On va pouvoir tenir ce point là. Celui-là va être plus dur à tenir, mais il va falloir. On va les envoyer ici. Non, mais j'ai pas. Ça se renforce ou pas? Ah oui, mais avec ce truc là. Ok, c'est comme ici, ça se passe bien. Ok, jusqu'ici tout va bien. Un peu tendu mais ça va. Ok, on a le lance-flamme ici. Voilà. Le milieu, c'est dangereux. Et on va les intercepter. Ça arrive. Voilà, on va leur faire beaucoup de dégâts. Un maximum de dégâts même. Hop. Alors l'obusier. Let's go. Non, faut aller dedans. Ah mon char. C'est la merde ici, faut venir. Prendre le véhicule camion et on va le ramener là. Parce que c'est chaud par là. Hein. Encore là, il galère à peu près, mais alors l'autre point. Attention parce qu'il n'y a plus personne au milieu pour les arrêter.
beggars are threatening a fuel point. We're losing a fuel point to enemy action. Got your rifle, rounds? Come on then. Tout juste. We're losing a munitions point to enemy action. While it on those blisters and shits. We're losing a fuel point to enemy action. Heureusement, on va les prendre en sandwich. Alors, hop. Ah super, on a ça. Parfait. Et voilà le dernier véhicule. Ah merde! Allez! Oui! They won't be sticking around much longer. Let's move out! That's their armor dealt with. They won't be sticking around much longer. Ça aide déjà de plus avoir les blindés. Bah on aura tenu tous les objectifs, hein! Difficilement, mais sûrement. Là. Donc oui, hein, ça c'était clairement une bataille scriptée, hein, une bataille mission quoi. Non pas juste une simple escarmouche, je ne pense pas en tout cas. Voilà, parfait. Donc, pas mal de petites choses par là. Faire du clean un peu partout. Alors on en est où de la loyauté? Ok, on est monté avec Norton, navigateur monde de la zone de déplacement de tous les navires. C'est nul. Ah ça c'était mieux déjà. Peut-être le côté américain est plus sympa. Hein. Ok. Ouais bah les partisans qui sont assiégés, je sais, je voulais les aider mais c'est chaud quoi. Ça c'est bon, c'est pas ça. C'est là mais en un tour... Je pourrais pas. Understood.
Voilà, on a 3 points de talent pour ici. Ah, j'ai explosion aérienne, hors carte, c'est quand même très puissant ça. Je vais l'acheter parce que c'est vraiment puissant. Pas contre l'infanterie. Cœur de tri. Ok. Bon bah désolé pour les partisans, mais là... qu'est-ce qu'on a là? On a une infanterie. On va venir prendre Naples. En tout cas, faire tomber la deuxième défense plutôt si on prend pas Naples. Voilà, avec eux, on va prendre Naples. Bon! Ok. On augmente la population de 10. Hein. Carrément. Sans réfléchir. Commander, the Krauts have built up a solid defensive line along the Volturno River. We'll need to pick up the pace and break through those defenses at multiple points. It won't be easy. War never is, General. Ok, là on n'est pas trop mal hein, par tout ce secteur là. On va pouvoir déplacer le bateau un peu plus par ici maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir couler le navire? Non, pas forcément. Ça, je vois pas trop à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Ouais, ok. Des munitions, mais bon, c'est quand même dommage que dans le même bombardement on puisse pas faire les deux. Bon, honnêtement, ça me gêne pas trop. À la limite, je préférerais plutôt détruire ça. C'est un peu cher, mais bon. On a eu le renfort aérien ici aussi. Ah ouais, alors effectivement les troupes. Alors par contre, débloquer le cuirassé, le porte-avions. Ouais d'accord, effectivement. On va rien pouvoir en faire, ça par contre, pour améliorer, ok, ben on va le faire. Centre de partisans, ouais, non. Ouais, on va en faire un quartier général avancé. Ok. Une soutien blindé, une compagnie blindée américaine, ça me semble pas mal ça. On va se produire ça. Ici on va augmenter ça. Là je voulais pas du tout faire ça. Pas grave. Ici, je voulais commander une autre troupe. Il reste des ressources. Alors, une autre compagnie blindée américaine ici. Et on va mettre fin au tour.
donc là j'ai reçu des dégâts. Okay, Commander, we've got a good foothold around Salerno now. Time to start moving up the boot toward Rome. If I may, sir, our goals would be better served by strengthening our position further before we start herring off across Italy. Okay. On va aller détruire ça avec l'infanterie. Et avec lui, on va aller chasser ceux-là. Je vais le faire en résolution auto par contre. J'espère que ça va bien se passer. Ok, c'est une victoire. Bon, ils restent là, ils sont retranchés, c'est ça. Il faudra probablement plusieurs batailles pour réussir à les déloger complètement. Nécessaire, on va économiser nos points. Pas assez de munitions avec eux de toute façon. Stand by, soldiers. Orders received. Ah, c'est con parce que en fait j'avais encore un tour. Mais je vais pas pouvoir y aller. Par contre, on devrait pouvoir. Prendre ça. Ah, c'est bête, à un tour près, en fait, si j'avais su, je serais allé le faire, effectivement. Bon, au moins, continuer de nettoyer la zone. Là c'est en production. Là je sais pas trop comment ça se gère hein, les combats bateaux honnêtement. Je vais passer mon tour. Je vais arrêter là l'épisode. Ouais bah ouais je sais que c'est un échec. Ah, je sais, tu vas pas être contente. Je me fais bombarder le bateau. Ok, bah justement, vu qu'on a le bombardier, s'il peut agir. Évidemment, là, je peux pas faire de dégâts juste aux soldats sans le reste. Les bateaux, ça a pas l'air de, pouvoir leur faire des dégâts. C'est quand même particulier, hein. On pourra au moins bombarder ça. Ça va. Faire ça en plus. Plus ça. Voilà, on continue le nettoyage. C'est déjà pas mal. Ok, donc là ce sera une mission. On va pas y aller maintenant. Alors, de cage de ravitaillement, des fusillés. Qui mobilise une compagnie aérienne. Ouais, ok, c'est pas mal ça. On va l'envoyer direct là, en résolution auto. Firme, ça passe, ça leur donne des points. Et en plus, ça la détruit. Parfait, c'est ce qu'on voulait, le beau jeu.
avec eux. On va commencer à progresser là-bas. Avec eux, on va progresser aussi. On avait un avion de reconnaissance. On va l'envoyer par là. Le temps que, avec eux, on va aller par là. Ok. On va rentrer et commencer à attaquer eux. Et se soigner. Avec eux. Et tous les mouvements, de toute façon, on fera pas plus. Pour construire un obusier, après tout, pourquoi pas. Voilà. Pas trop comment ça marche, mais. Voilà, et je vais sauvegarder là et on continuera la prochaine fois cette petite partie. Merci à tous de m'avoir regardé, je vous dis à très vite sur les jeux du cygne. Bye bye!